Bonjour. 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 Avancez. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va, bien sûr. Merci beaucoup. Mais quand ils vont venir, les enfants, ils vont venir ici, avec ma femme et tout. Bah là, je pars tous les étés, normal, comme tout le monde, comme les Français et tout. Tu vas nous les emmener alors? Ah ben évidemment, au début, je suis obligé de les ramener, bah oui. Mais après, j'espère que je vais avoir une douche quand même chez moi, parce que je ne vais pas ramener ma femme à chaque fois. Excusez-moi. Oui. Bonjour. J'ai rendez-vous avec M. Lomier. La porte du fond, derrière la crête. D'accord. Merci beaucoup. Femme qui fait. Donc, quand la douche. Bonne journée. Quand moi j'aurai ma douche, je ne les ramène plus. Parce que je préfère. Tu ne veux pas ramener ma femme à chaque fois ici. Ouais, c'est normal. Hein. T'as raison. Et toi, tu vas cette année là? Non, pas cette année. Tu rentres pas? Non, non, non. L'année prochaine là. Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Ça, ouais, c'est ça. Ouais, Inch'Allah. السلام عليكم. السلام. سلام أحمد. السلام عليكم. صباح. صباح الدوش. صباح. Monsieur, il faut sortir. Ça fait 40 minutes. Faut pas exagérer, il y a des gens qui attendent. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. Bah, il faut bien que je me lâche, chef. C'est impossible en 20 minutes. Ou alors, il faut me couper en deux. Ah bon? Et comment ils font les autres? Ah, les autres, c'est les autres. S'ils veulent être sales, c'est leur problème. Moi, j'ai le problème d'être propre. C'est ça. La douce, c'est pour se laver, pas pour faire autre chose. Comment ça, autre chose? Vous avez bien compris. Ouais, c'est que ça veut dire ça. Bon, laisse tomber. Viens. Viens, Qu'est-ce qu'il raconte, tu vas là? Je ne suis pas pour ça. Qu'il dit, alors? Laisse tomber, c'est pas grave. Vous êtes par là? Allez. Alors, faites attention, parce que c'est glissant. Hein. Ahmed. D'abord. Ahmed, je vous présente Mike. Il a travaillé avec nous. Donc, vous lui faites faire le tour, vous lui expliquez le fonctionnement. Posez votre bail de minutes, s'il vous plaît. C'est l'adjoint à la jeunesse qui nous l'envoie. Encore? Ouais, encore. Donc, si vous sentez que ça va pas, vous me dites tout de suite, puis moi, je le renvoie à l'écho. Hein, OK? On fait ça. Merci. Bon travail, je vous laisse. Bonne première journée. La première des choses à faire, c'est vérifier que tous les douches sont propres. Le sol, qu'il soit le moins sale possible. Qu'il passe le jus d'eau, la raclette. Et mais, il ne faut pas qu'il soit trop mouillé. Parce que si quelqu'un glisse, c'est toi responsable. Mais il y a un milliard de douches qui tournent, c'est normal que c'est mouillé. Il n'y a rien de normal ici. Rien du tout. Il y a aussi qui lavent leurs vêtements dans les douches. Ça, c'est interdit.
Et si quelqu'un oublie quelque chose, tu touches pas avec les mains. Tu prends la pince. Il peut y avoir des maladies ou je sais pas quoi. T'as compris? Ouais, ben, je sais pas trop. بيك محجوب ما عرفين دا السوار ديالي عطو 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 وديك المفتح عطو 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 ريد ريد عطو بسم الله عطو 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 مفتح شكرا سيح هيا ادخلي سيح من تا با ان بو دو ويسكي لا ما عنديش معنديش مرسي يا باتكو Ahmed, c'est bon quoi? T'es en avance là, non? T'as dormi ici? Non, enfin, je sais pas, c'était trop tard hier pour rentrer chez moi en fait. T'as pas le droit de dormir là. Ah oui, mais. De toute façon, ça gêne qui si je dors ici? Ça gêne personne. T'as pas le droit de dormir ici, c'est tout. Et Ahmed. C'est interdit de fumer là. Toi, tu fais que des choses que tu dois pas faire. Ça y est, Ahmed. Oh, c'est bon, vas-y, fume là ici, ta clope. Vas-y, viens. Ça y est, on est tout seul, on va gêner qui? Bah, vas-y, viens, je te dis. Et dans tous les cas, ça y est, ils vont pas nous emmerder pour une seule clope. C'est bon. Déjà qu'à la fenêtre, c'est limite. Et tu bois en plus. Pourquoi tu bois pas, toi? Mais avant, quand j'étais jeune, hein. Ça fait combien de temps que tu t'affiches ici, toi? Ici? Ouais. 29 ans. 29 ans? Ahmed, moi, ça fait 2 jours que je travaille ici. J'en ai déjà plein le cul. C'est quel bébé, c'est normal. Je sais pas. T'as pas d'endroit où dormir? J'ai. Et pourquoi tu dors ici? Et je me suis embrouillé avec mes parents. Ça arrive, hein. C'est pas grave. Mais il faut que tu rentres, sinon ils seront inquiets. Hein. Non, ils s'en foutent. Ah, faut pas dire ça. Pourquoi? Vous êtes disputé? Non, c'est juste que j'ai fait des conneries et eux, ils veulent plus d'embrouille. T'as volé? De toute façon, on fait tous des conneries. C'est ça la vie. Dans une vie, s'il n'y a pas de conneries, c'est pas une vie. Ben toi, t'as pas dû en faire beaucoup. Bien sûr que si, hein. Quand on est jeune, on fait n'importe quoi. C'est normal. Ça va? Tranquille? Ben, ça va. On est là, quoi. On est là. C'est interdit de fumer ici, c'est dangereux. Ahmed, tu le sais, ça? Ouais, c'est bon, on a fini, ça y est. On a fini quoi? On n'a pas fini, Ahmed. Et toi, tu viens d'arriver, tu veux déjà faire ta loi. Mais calme, gros, ça y est.
Mon bras, il est à l'intérieur, mais la clope, elle est à l'extérieur quand je fume. Donc ça craint rien du tout. Qu'est-ce que t'en sais, ça craint ou pas, toi? Et puis, je suis pas tant gros, moi. Tu vas pas nous les briser pour une clope toute la nuit? Est-ce que nous, on vient t'emmerder quand tu joues aux cartes? Non. Chacun son vice, gros. T'as le droit de faire de l'oseille, toi, entre deux coups de serpillère? Fais ton argent, et nous, on fume. Ahmed, tu dis rien? La 13? Non, je prends pas la 13. Attends, pourquoi pas la 13? Comment ça, pourquoi pas la 13? J'ai jamais pris la 13. Parce que le chaude, elle est pas très chaude dans la 13. Elle est pas bien, elle marche pas bien. Tous les douches sont pareilles. Mais non, elles sont pas pareilles. Ça fait 13 ans que je viens ici. Je les connais toutes, les douches, une par une. La 13, elle ne marche pas bien. Elle met 5 minutes pour que l'eau chaude vienne. La 7, elle fonctionne bien. La 17, elle fonctionne bien. La 27, elle fonctionne bien. Mais la 13, elle fonctionne pas. J'ai jamais pris la 13 à Ahmed. Pourquoi je la prendrais aujourd'hui? C'est le PMU ici ou quoi? Quel PMU? C'est qui celui-là? Non, c'est un stagiaire. Comment ça, le PMU? Il est nouveau, c'est un stagiaire. Ouais, non, mais, je suis pas un cheval, hein. C'est bon. J'ai jamais pris. Ça fait c'est 13 bon. Ans que je viens. Non, j'ai jamais pris la 13. Tu veux pas la 13? Non, je veux pas la 13. Prends la 17. Allez-y. Okay, merci. La 27. Alors 27, merci, pas grave. Beaucoup. C'était où, plus jeudi? Il faut pas faire des histoires pour rien. Les gens ici, ils sont tous gentils. Toujours, ils nous disent merci. Ils nous ramènent des petits cadeaux. C'est pas facile de venir se laver ici, comme ça, devant tout le monde. C'est pas facile, hein. Surtout pour les jeunes. Ils en ont honte. Tandis que les vieux, c'est tout à fait normal pour eux. Même après la douche, ils restent, ils parlent, ils discutent. Et il y en a parmi eux aussi. Ils ont des douches chez eux, ils viennent ici pour se laver. C'est mieux que de rester seul. Ouais, mais je pense que les vieux, c'est peut-être parce qu'ils marchent moins vite. Ils marchent moins vite que les jeunes. Ah ouais. On peut pas parler sérieusement avec toi. C'est pas possible. Tiens, prends ça. Amène-la, Marguerite. Au lieu de leur donner n'importe quoi. Merci. C'est beaucoup de charme, Michel. Chica, j'ai un tu crois où? Ah, tiens, beaucoup de... Bouge, je Prends, mange. C'est bon. Écoute, ici, c'est une bonne place. Dans la vie, il faut juste se trouver un bon boulot, une petite femme, et puis c'est tout, hein. Mais toi, t'en as une de femme, toi? C'est normal, j'ai une femme. Ah ouais? Et oui. Et t'as des enfants aussi? J'ai 4 enfants. 4? Ouais. Et ils vivent tous au foyer, là? Non, ils sont dans le pays. Mais là, on parle de toi. Pense à ton avenir. Mais j'y pense, hein. Mais de toute façon, je suis pas du genre à rester sans rien faire. Là, ils m'ont collé 2 ans de mise à l'épreuve. Dès qu'ils m'oublient un tout petit peu, je me barre direct. Mais tu vas où? Je vais aller au Canada. Au Canada? Ouais, c'est là-bas que tout se passe. Il fait un peu plus froid qu'ici, mais... Je te jure que c'est mieux qu'ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je sais pas. J'ai pas envie de te dire, en fait. Pourquoi? J'ai pas envie. Je sais pas, tu vas trouver ça chelou. Mais non, vas-y, je te jure, je rigole pas. Vas-y, dis-moi. Tu ris pas, hein? Non, je ris pas, vas-y. Je fais du rap. Ah non? Ben, en fait, j'ai un pote. Il a un groupe là-bas et ça marche bien pour lui. Et lui, il aime bien ce que je fais, il aime bien mon style. Toi, tu t'y connais un peu en rap? C'est la musique des jeunes. Et toi, tu sais faire ça? Bah ouais, je sais faire ça. Pourquoi, tu veux que je te montre là, tout de suite, là? Vas-y. Vas-y, ok. Ok.
Des fois, j'aimerais être une mouche pour voler à travers les barreaux, aller chercher la merde, partout chez que les gens, je les rendrai paro. Quand t'as besoin de l'eau, t'as zimzim, il glisse tout un verre de Jack. Sache le pain de Dieu est plus savoureux que le caviar du diable, car moi, je me noie dans l'alcool. Et à mes côtés, on dirait que tout bain, ils vendent de la drogue dure. Je suis qu'une ordure, les tailles m'a mis à la poubelle. Au placard, je vis comme la bête, ouais, je rêve que de me faire la belle. La liberté, c'est qu'une statue. Posté de l'autre côté de la fenêtre, certes, je suis trop couru à ma perte, mais je vais pas faire le mec aïen. Je sais que les murs ont des oreilles, c'est des yeux pour me aïen. Je veux pas être l'esclave de mon réveil, mais le collier de mon employeur. Ce gouvernement, il me fait tellement chier que je vais investir dans un broyeur. Pendant que l'État me torpille, non, je résiste, je suis qu'un tirailleur. Dis bien ceux qui veulent pas d'homme, je sors, je les pille et je me tire ailleurs. Alors, propre ou pas? C'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça veut dire quoi quand tu fais tes doigts comme ça? Ah, quand je fais ça, tout ça? Ouais. Ah, ben, ça veut dire en mode, je sais pas, on est là, quoi. On est où? Ben, on est là. Mais... pourquoi tu dis toujours le mot deux fois? Une fois, ça suffit. Mais je dis pas les mots deux fois, Ahmed. Ça, c'est pour la rime, ça. Même dans les musiques normales, il y a ça. Ouais, mais tu parles trop vite aussi. Ben, c'est normal, c'est du rap. Ah, c'est pour ça, alors. C'est juste qu'il m'a saoulé les lèvres. Mais arrête, non, viens, non, reviens, non, reviens. Y a quoi? Mais t'énerve pas. Mais pourquoi t'énerve pas? Tu crois que je vois pas? Ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi tu parles vite? Pourquoi les doigts? Et pourquoi tu me dis ouais, les mots? C'est bon. Mais tu crois, mais tu crois, je vois pas que tu rigoles depuis tout à l'heure? Je veux pas pleurer. Si je pleure, tu vas dire c'est pas bien. Je te jure, c'est bien. Surtout ton style. Tu coudes, vas-y, je sais même pas pourquoi. Viens, t'as non, fini. Non. Viens finir ta manger. شرب لي شربوه يروح ما كانش فيها الهضرة والحباب هضروا له يا ودي خطيك سيدي ربي ما كتب له يروح دروك يلزمنا نخبروا مواليه ونلموا السوارد هنا ونبعثوه يدفنوه في البلاد مي بوركوا فيغ يلزم نبعثوه للبلاد باش يدفنوه في البلاد هذا الحق هذا هو الحق مي يصنفوت ما تشحق عليك تقول هذا بشي صافو وثم المراسيز وثم المراسيز حاشا زيد سرد عاد نهضر دقيني هي هداك ولاش فيك ودي حوسن في اللاس ولاش فيك ودي حوسن في اللاس وركل ايه وروز مويت يتسس يبذي لو كان السرا غاساش شحال نسينا يقوس مي يبوز لا فور تورا ما فيش مش يموت بون يموت مي ادقار مورشاكي اد انجما سدات مقرص الا يخير الله يقات تشقام يقات ما كدين السيدة كي يقات تخبر مي وراويس مي غادي نطيدي ثمورتيش غادي نشقى غادي نشقى غادي بوناني C'est bon, Ahmed. Je suis juste parti fumer une clope. C'est pas une raison. Tu dors ici, tu viens en retard. Un jour, il faut arrêter ces conneries. Hein. Et en plus, tu parles à n'importe qui. Pourquoi n'importe qui? C'est interdit de parler aux filles maintenant? Il faut pas jouer avec des gens comme ça. Mais des gens comme quoi? Tu la connais même pas, toi? Je les connais, moi, les Roms. Si tu veux avoir des problèmes, vas-y. Mais tu sais que c'est pas bien de parler comme ça. Hein. Ma parole, c'est pas bien. Ah ouais? Parce que toi, tu sais ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est quoi le vrai problème, là, Ahmed? C'est pas ça. Ça se fait pas et c'est tout. Qu'est-ce qui se fait pas, putain? Qu'est-ce qui se fait pas? Parler aux meufs, ça se fait pas. Parler à ses enfants, ça se fait pas. On va parler à qui alors? On va parler à qui? Dis-moi, Ahmed! On va parler aux douches? Ben viens, on va parler aux douches alors! Putain, vous cassez tous les couilles ici!
On s'attendait pas à une vie comme ça. Et toi, ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Ils sont grands maintenant, ils ont leur vie. Pourquoi je vais aller les embêter? Ben, pourquoi tu les embêterais? Ils ont pris l'habitude que je sois pas là. Alors, à quoi ça sert? J'ai vu plus les collègues que les enfants. La madame, elle a vie là-bas, moi j'ai vie ici. Je suis condamné. Je suis un vrai Français. Appelle-les. Moi, je te dis, ça leur fera plaisir. Mais c'est à eux d'appeler. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai toujours envoyé l'argent, les vêtements. Et même si je rentrais pas, jamais je me suis trompé sur la pointure d'une chaussure. Jamais. J'ai fait ce que je devais faire. Toi, rentre chez toi et occupe-toi de tes parents. C'est toi, Ahmed, le roi du ballet. C'est étranger. C'est quoi ça? C'est une chanson, tu connais pas? Non, je la connais pas. J'ai pas envie de la connaître. C'est ma grand-mère, elle me chantait ça quand j'étais petit. C'est lui, Ahmed. Hé, hey, arrête ça. Comment ça, arrête ça? Laisse-moi tranquille, j'ai ton droit de chanter, non? Toi, laisse-moi tranquille. Il y a un milliard de chansons, t'as choisi que celle-là. Ben, quand je rappais, toi, tu rigolais. Là, au moins, tu ris pas. C'est lui, Ahmed, le roi du... Mais putain, Ahmed, t'as niqué mon jean! Je t'avais dit d'arrêter. Non, c'est rien, c'est que de l'eau, ça sèche. Mais qu'est-ce que ça sèche? La javel, ça sèche pas? Ouais, mais moi, j'y mets pas beaucoup. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, ah. Mec, c'est pas bien. Ah ouais, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien? Arrête. Ah, parce que maintenant, tu sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Attention. Hein? Ah ouais? Attention. Nous on finira les poches pleines malgré un départ à sec. J'arrive d'un monde où la drogue est à la mode, l'amour est à la mort, et la haine c'est à la mort. Vrai j'ai R.A.P. mon pote dans les blocs, ça fait pop 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 pop. J'arrive d'un monde où les thugs ont des cloques, les tarves baissent leur froc, la traîtrise est à la mode. Ouais, mais t'es con aussi, parce que si tu leur dis oui à chaque fois, ils font pareil avec nous après. Ah, mais mec. 19h, c'est sérieux quoi. Messieurs, bonjour. Alors Dubois. Boris. Merci. Ahmed. Merci. Mike, il n'est pas venu travailler aujourd'hui. Il est malade? Mike, ouais, c'est ça, il est malade, ouais. J'ai eu son éducateur au téléphone. Ça faisait une semaine qu'il dormait plus dans son foyer. Je sais pas, il avait encore traîné à faire des conneries, hein. Les jeunes de la mairie, hein. Terminé, hein. Thank you.
Allô? Oui, allô? Jamal? Papa? Ouais, شكون؟ ما فيش حاجة. حوالكم كراهم. وأمك كيرا دايرة؟ خوتك؟ الحمد لله يا ربي. Personne connaît.